Allez, ça tout le monde, c'est Tazorik Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 175 de notre aventure 100% sur Super Mario Galaxy 2 Reloaded. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 175 de ce Let's Play. Les amis, j'espère en tout cas que l'épisode précédent vous aura plu, parce que bah écoutez, on a fait l'extra planning, hein. Il y a eu 8 épisodes de ce Let's Play, c'est de la semaine dernière. Et donc les amis, aujourd'hui, alors il va pas y avoir 8 épisodes, hein, je vous le dis direct, hein, cette semaine, mais il y en aura 4, voilà, c'est déjà bien content celui-là. Donc écoutez, bah, on va pouvoir continuer notre aventure. Souvenez-vous d'un épisode précédent, si j'arrive à capter ma Wiimote. Allô, 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 la manette, merci. Oh putain, parce que je crois que le truc est trop proche, je veux dire. C'est bon là? Merci. Et du coup, souvenez-vous d'un épisode précédent, on avait fait qu'est-ce qu'on avait fait dans le... Je crois qu'on s'était attaqué à la première étoile verte, tout simplement, de la galaxie de Floria, Bowser Jr's Floria, je crois une corne comme ça, je sais plus. Luigi, Nettle, Princess Peach, je viens d'arriver. Cher Mario, des années-lumière, je sais pas à l'heure qu'il est, mais tout va bien, je sais que nous nous reverrons bientôt. PS, il joue un petit quelque chose, j'espère que ça sera utile, signé Peach. 5 champignons one-up se joint à la lettre. En fait, cette lettre est pour Mario. Enfin, je suis sûr que c'est juste une coquille Luigi. Voilà. Donc, du coup, bah écoutez, oui, on avait fait ça. Donc, du coup, logiquement, il me semble qu'il nous reste plus qu'une étoile verte à récupérer là-dedans. Oui, c'est ça. Donc, écoutez, bon, on va faire ça. Hein. On va directement la récupérer maintenant. Et du coup, bah après, on va pouvoir passer au monde 4. Parce que du coup, on aura fini le monde 3 à 100%. Et voilà. Buzz interstellaire de Bowser Jr. Voilà. Bowser Jr. Floria. Avec Mega Hammer. Comète farceuse repérée. Et étoile verte numéro 2. Et du coup, alors on sait que la première elle était là, on l'avait vue, donc on l'a déjà récupérée. Et l'autre du coup elle sera un peu plus loin. Elle sera même beaucoup plus loin. Ah putain, c'est... Le truc est beaucoup trop proche encore de moi. Donc j'ai du mal à faire capter mon truc quand il est trop proche. Voilà. Hop, avec cette musique, cette OST. Putain, le jeu il fait mal aux yeux quand même, hein, entre guillemets. Quand on joue sur Wii, hein. Quand on a l'habitude de jouer sur émulateur, une version beaucoup plus propre et tout. Là, je vous avoue que là, ça fait un peu mal aux yeux, hein. Tac. Oh my god. En fait, le souci avec la Wiimote. En fait, c'est que le temps que le bouton revienne et que je rappuie dessus, bah en fait, ça compte comme une fois. Donc c'est ultra chiant. Parce que du coup, voilà. Vraiment, le temps que le bouton revienne, c'est ultra chiant. Merci. Vas-y. Non, en fait, je crois que ça se déclenche uniquement quand on fait ça, en fait. Voilà. Ok. Merci. Là, ça fait rappeler très Cosmos Collapse, hein, quand même. Et du coup, j'arrête pas d'avoir Cosmos Collapse en tête, concrètement. Ça m'a tellement matrixé Cosmos Collapse que concrètement, je veux dire qu'on est à peine, on n'est même pas encore à la moitié de la Romac. Je suis désespéré. Ça veut dire que je sais qu'on va encore rager, on va avoir beaucoup de difficultés. Je le sais, hein, je le sais d'avance, mais ça fait limite très peur. Voilà. Bon, on prend des risques un peu dans la vie. Dans la vie, on prend des risques. Pas du tout ce que je voulais faire, je voulais qu'il s'élimine, je me suis dit il va peut-être s'éliminer ce con, mais non. Ce con il a même pas voulu partir. Ah, on a vu l'étoile verte. Allez, regardez, elle est là cette petite coquine. Normalement les bateaux vont apparaître, donc elle sera certainement au côté où il y a les bateaux. Tac. Tac. Merci. Non mais... Are you fucking kidding me? Voilà. Ça s'en tenait qu'à moi, on aurait fait ça et on aurait été directement... Oh non non, Yoshi. En fait, c'est ça le problème. C'est sur Wiimote, c'est horrible de faire ce bug là. Parce qu'en fait, le bouton, le temps qu'il revienne, il y en a pour un an. Attendez, mais j'ai un problème à la Wiimote ou quoi?
J'ai appuyé sur le bouton A, il veut me pas Thunder. Non, mais non. Il y a un gros problème et j'arrive pas à le faire ce bug là. Non, mais non, j'arrive pas à le faire. C'est... En fait, le temps que Luigi, que le bouton revienne, il y a un putain de décalage. Donc je peux pas les enchaîner comme à l'époque. Vous voyez ? On aurait pu y aller comme ça directement. Mais on peut pas en fait. C'est débile ce truc, je trouve. Putain, vraiment, heureusement que maintenant, enfin. Dommage, je peux pas y jouer avec la manette Nintendo Switch Pro, ça m'aurait putain d'arrangé. C'est où? Ah, d'accord, c'est là-bas, autant pour moi. Bah, écoutez. Voilà. Non, mais dis donc. Non, mais je l'ai écrasé. Oh là là, mais pour la pièce. Putain, oh. Non. Ah, il veut vraiment me canarder, hein. Voilà pourquoi je n'aime pas ce lieu. Est-ce que tu peux dégager s'il te plaît? On va y aller, mon dos. Voilà. Putain, ce lieu là c'est horrible hein, concrètement. Et du coup en fait tu dois laisser un peu... En fait non, je sais pourquoi. Je crois que je suis à 60 fps sur la version normale. Donc, je peux les enchaîner rapidement parce que j'arrive à les... le jeu, bah, vu que c'est 60 images par seconde, t'arrives à les enchaîner rapidement. Là, c'est 30 images par seconde, donc je dois attendre un peu plus de temps. Donc, un léger décalage pour pouvoir réussir à refaire le flunter. Je pense, c'est un truc comme ça. J'imagine. Hein. Bon, mais écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouvera pour l'épisode numéro 177, oui, c'est ça. De notre, 176, pardon. De notre aventure 100% sur Super Mario Galaxy 2 Reloaded, dans lequel ben, on ira s'attaquer du coup à notre première galaxie de notre monde 4, tout simplement, avec les étoiles vertes. Du coup, ben, d'ici là, les amis, portez-vous bien. Et encore merci de m'avoir suivi pour cet épisode. T'as tout le monde. Hey, peace! Oh,